Breakers unlock the world. Les breakers n'ont qu'un seul objectif, atteindre la bibliothèque de Dieu, un lieu de légende qui n'aurait jamais été atteint, où s'accumule toute la connaissance avant la division. À la suite de cette division, le trésor des anges, les yeux de l'ange, qui détient un puissant pouvoir, est brisé en morceaux et dispersé à travers le continent. Le continent d'ailleurs s'appelle Terrafia, un continent déchiré par un conflit entre anges. Breaker Unlock the World est un jeu RPG d'animation et d'action en monde ouvert développé par V-Game Studio. Par le passé, V-Game Studio a édité et développé Black Clover Mobile, qui à l'heure actuelle est déjà sorti en version japonaise et coréenne et en soft launch en version canadienne. J'ai pu récolter énormément d'informations qui ont été publiées depuis 2021 concernant ce jeu. Avant d'attaquer l'analyse du gameplay et la découverte des cinématiques du jeu, les amis, je voudrais vous faire un petit point par rapport à une discussion, plutôt une interview qui a été faite avec le CEO de V-Game Studio. Et lors d'une question qui a été posée, sa réponse c'est concernant ses attentes et qu'est-ce qu'il espère voir après le lancement de ses deux futurs jeux en version globale. Je vais surpasser Miyoho et je suis confiant. L'objectif de V-Game Studio est de surpasser Miyoho en tant que société de jeux et de créer des jeux capables d'impressionner les gens comme Disney. Et ce n'est pas tout. Dans une question précédente, il avait dit: après avoir fondé l'entreprise, on m'a beaucoup demandé quel est le sens du mot Vic dans Vic Game Studio. Qu'est-ce que cela bien vouloir signifier? Alors, voici la réponse du CEO. Le sens exact est méchant. La signification exacte, c'est Villain is coming. Cela signifie qu'un méchant armé de nouveaux plaisirs arrive. Nous espérons vraiment devenir le meilleur développeur qui change l'industrie du jeu vidéo. Par exemple, un studio de développement chinois appelé Miyoho est reconnu pour ses capacités de développement. Bien que ce ne soit pas officiel et qu'il s'agisse d'une enquête indépendante, nous sommes convaincus que nous disposons d'une technologie de capacité de développement et d'un flux de direction qui surpasse Miyoho. Il y en a certains d'entre vous qui pensent qu'ils n'ont pas les moyens de surpasser Miyoho. Allez, on va aller attaquer le gameplay et on se retrouve pour une petite conclusion rapide après ce petit gameplay, les amis. そこだ。魔法なんて走るのだ。ものですか。私の出番ね。おお、頼もしいな。任せておけって。そこだ。 全力を込める。かなり硬そうに見えるな。防御もついてしまう。そこだ。任せておけって。全力を込める。 任せておけって。そこだ。全力を込める。 待ってろよ。
Certes, le jeu n'a pas totalement de liberté dans les mouvements, mais il reste néanmoins que le jeu a un gameplay assez dynamique dans son ensemble. Que ce soit par les switch, que ce soit par les attaques qui se rechargent rapidement, les stuns, parfois on a avec certains personnages des compétences qui nous permettent de frapper depuis les hauteurs. Les ultimes qui se rechargent assez rapidement dans leur ensemble également. Et ça, on va pas leur enlever. Maintenant, concernant les cinématiques, c'est là où j'en reviens par rapport à ce que j'avais dit avant que je vous présente la vidéo du gameplay et des cinématiques. Où je vous avais dit qu'ils pourraient rivaliser et ils pourront largement rivaliser avec Miyu. Ils ont la technologie, ils viennent de nous montrer avec cette démonstration de jeu. Ils ont la technologie nécessaire pour surpasser MiYoYo sur le long terme. Et ça fait 2 ans que je le dis. Je pensais pas que ça allait être avec ce jeu. Je pensais que de base, ça allait être avec Black Clover Mobile. Mais là, ils viennent justement de nous montrer qu'avec ce jeu-là, Breakers Unlock the World, que le jeu a un énorme potentiel. Qui plus est, le jeu est prévu en version globale pour 2024 et une adaptation animée a été annoncée prochainement. Nous ne savons pas encore une date, la date exacte. On ne sait pas si ça sera pour 2024 ou 2025. Mais il y a de fortes chances que durant ce mois ou durant le mois prochain ou d'ici la fin de cette année, ils annoncent la version animée et l'adaptation animée de ce jeu mobile et PC. Sur ce, je vous dis ciao et à la prochaine. Peace.